bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War. Nous en sommes à l'épisode 8 et je tiens à m'excuser pour l'épisode 7 et les deux petits artefacts sonores, enfin petits, bon finalement un petit peu violents, hein, au bout de 16 minutes à peu près, qui n'étaient pas présents pendant le record ni pendant le montage. Ça s'est créé après le rendu, sûrement mon Sony Vegas qui a pété les plombs et qui a quitté l'école, comme disait Maître Gims évidemment. Et c'est donc deux sons, comme si ça venait du micro, mais pas vraiment, qui ont été créés par Vegas et qui vous ont un petit peu déchiré les tympans, j'en suis désolé. Vous savez que j'aime vous titiller de temps en temps, mais là, sur le coup, c'était pas du tout prévu, vous en doutez bien, sur plus de 1100 vidéos. C'est bien la première fois que ça arrive et sûrement la dernière. Allez, on est parti. En moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Mais je vois pas d'autres runes ici. Retournons au bateau. Je rappelle donc que nous sommes dans un royaume où une guerre est déclarée entre les elfes blancs et des méchants, voilà, hein, je ne sais plus exactement quelle race, ou du moins le nom de la race qui s'embrouille avec les elfes blancs. Et on devait aller récupérer la lumière, une lumière qui permettrait de passer diverses étapes à venir dans notre royaume à nous, enfin dans notre monde à nous, hein, le royaume nordique, donc vous l'aurez compris. Et on est donc triste parti. Que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais la guerre gâche tout. Tu vois avec les... La porte bleue! Ça doit être l'entrée! Allons-y! Fais attention, Atreus. Qu'est-ce qu'ils font? Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal de cette chose. Pourquoi? Pour empêcher l'arrivée des renforts. Ah! D'accord, ok, donc ça commence direct! Waouh! J'ai eu le temps de rien faire, j'ai rien pu faire, j'ai pété les plombs. Allez, normalement... Oh non, Atreus! Troducus, Nabus, Maximus, dès la fin, attendez! Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as empêché de donner un coup de finale! Je pense que je mérite. Ça, c'est pas mal! Ça, c'est pas mal! Oh, c'est beau! Au premier finish de Steve... Oh! Oh, ça a tué l'autre! Incroyable! Personne n'était prêt à ce coup, bien évidemment, de Trafalgar, comme on dit dans les jeux. Allez, on est parti. Bon, lui, il est mort, il dégage. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un petit coup. Vas-y, Atreus. Maximus Decimus, né d'un père assassiné et d'une mère totalement morte, quoi. Pardon? Pardon? Ah, c'est bon. On l'a retrouvé, les gars. Je sais pas où il était parti pendant un moment. Hop, ça dégage. Ça fait très, très mal. Hop. Allez, c'est terminé pour lui. Eh bien, voilà. C'était rien, les gars. Eh... Vous étiez 3-4, rien de bien dangereux. Par contre, il n'y en a pas... Ah, je me disais, je préfère. C'est beaucoup mieux ainsi. Bon, on a ici des choses assez intéressantes, comme des roues à tourner. Ça, c'est plutôt cool. Oh, tu vas te calmer. Atreus, tu vas te calmer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, ça a marché. Très enfin, bien. Je crois. T'inquiète pas, fils. Ah, c'est pas vrai, hein. Oh, c'est beau ça! Très beaucoup de la part du joueur franco-thaïlandais! Ok! Il a réussi lui à briser ma garde par contre, et ça c'est un peu terrible. Oh, dommage! Dommage, dommage, dommage! Je pense que je mérite pour l'instant. Ah, mon. Attends! Qu'est-ce qui. Ah, mais c'est des flèches explosives! Attendez, mon coup ne marche plus, bouclier! Oh, j'ai dû le retirer, quelle est cette sombrerie! Ok, on m'a mis dans le brouillard, je ne sais pas pour quelle raison. On m'a mis une cécité qui me permet de ne plus voir à plus de 2 mètres. Ok, je vais jamais y arriver, c'est terrible, il se protège trop bien. Merci Atreus. Hop, ça c'est terminé. On va essayer d'arracher un autre gars. On peut... Ah non, dommage. Ok, ça c'est pas mal. Ah mais ces flèches explosives, c'est terrible. Hein. C'est pas vraiment des flèches, d'ailleurs. Voilà, ça c'est pas mal. Ah là 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 là! Allez, on va le finir aussi comme ça. Vaut mieux utiliser le R3 pour terminer un adversaire parce qu'on ne peut pas prendre de dégâts vu qu'on est en sorte de cutscene un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il faut que je me remette mon cooldown là. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Je me suis fait voler là sur la marchandise. Ok, il n'y a pas de vie les mecs, sérieux? Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? Nous sommes sur leur territoire. Et
Et c'est pas, c'est vrai que c'est pas très gentil, mais je comprends aussi. Soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis. C'était ça. Ah, dur. Dur. Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Par contre, on va l'améliorer. J'ai peut-être fait une grave erreur. J'ai pas compris pourquoi ça marchait pas. Peut-être que... Ah, je devais peut-être avoir l'âge dans les mains, je sais pas. Bref, on essaiera plus tard, vous inquiétez pas. Pas de soucis, je pense que ça vient plus de moi sur le côté. On est parti, on va faire ressortir tout ça. Attends, tout ça pour remettre si la lumière. Si on les associe comme ça, ça ressemble un peu à une rune. Mais ça veut rien dire. Viens, retournons à la vasque de sable. Ok, on est donc reparti direction la vasque. Il y a peut-être des coffres un petit peu plus loin. On va faire un petit tour du quartier. Si ça vous gêne pas, on va voir en bas des blocs un petit peu comment ça se passe. Parce que sur le coup, on sait jamais sur un malentendu. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Oh, quoique. Attendez. Et pourquoi tu dis que je vois avec les yeux d'un enfant? À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Il oublie tout le reste. Parfois, à tout jamais. Toi, tu connais la guerre, pas vrai? Les guerres sont motivées par deux choses, la survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. C'est beau, c'est beau. Et sur ça, on va amarrer, les gars. Ça, c'est beau, putain. Bon, il est temps de voir un petit peu si une rune s'est créée. Les piliers et l'anneau forment une rune elfique. D'accord, fils. Et donc ? Dessine-la. Atreus ! C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire? Non. C'est quand même dans la tête de ton gosse, enfin, je veux dire... faut peut-être, si ton gosse dit qu'il entend des voix, faut peut-être s'en soucier, non? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Wow, regarde ce qu'on a trouvé! C'est très intéressant. Oui. Les voix que j'ai entendues, elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu maman. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Il est pas comme les autres. T'as vu ses cornes? Mets-toi derrière moi. Ah! C'est pas bon signe. Allez, on est parti! Ça, c'est jamais très bon signe. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'était un petit bug d'affichage. Il était affiché que j'avais la hache dans le dos, mais en fait, c'est pas du tout. Elle était ailleurs. Je ne sais pas d'ailleurs. Par contre, ça dégage pas rapidement. Bien joué. Ça, c'est un joueur traître, hein, bien évidemment, qu'on a là. Allez, ça dégage. Et en plus, ça brise la garde. Ça, c'est quand même assez insane. Aïe. Allez, glisse bien s'il te plaît, Atreus. C'est chiant, fais un petit effort. Aïe. Oh non, non. Oh, oh, oh. Hey, je suis pas votre pute, ok? Je dois te calmer, bordel. C'est pas vrai? Non, non, mais attends, ils m'ont fait un combo à un moment, c'était... Oh, c'est compliqué. Non, mais ils m'ont fait un combo, c'était terrible. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! On a réussi à l'avoir par derrière, mid-life! On a pu lui faire un tiers, quoi! Ne t'approche pas des cages. Ok. Je me demande pourquoi ils sont enfermés. Ok. On a quelque chose ici. Alors, à mon avis. Ok. On en a un petit peu partout, mais quelle est cette sonnerie? D'accord. Ouais, il est nul, hein. On peut s'en occuper entièrement à la hache. Allez, ça dégage. Aucun souci, très bien, j'espère on a quoi là? Ça en valait la peine. Écoute, fils. Ça en vaut vraiment la peine. Un. Ok, donc il y en a deux. Il va falloir arracher les deux en même temps. Comment je peux faire? J'ai ma petite idée. Je pense avoir ma petite idée, regardez bien. C'est ça.
On se met ici et normalement... Oh là 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 là, ce joueur professionnel évidemment, de lancer de hache, ça j'ai tout appris en Angleterre en 1765 dans les Pères d'Écosse. C'est un... Allez, nouvelle rune, attaque runique puissante, on va afficher dans le menu histoire de voir. Maintenez R2 pour charger jusqu'à 3 vagues de dégâts de givre, très bien, ça a l'air pas mal. Ah mais ça a l'air même plus que pas mal d'ailleurs. Et ça, ça remplace ceci qui était quoi déjà? Maintien L1 plus R2, attaque dévastatrice qui gèle. Celle-ci a l'air mieux, celle-ci a l'air quand même mieux, donc on va pas changer. C'est une nouvelle attaque, on essaiera, on se fera des petits plaisirs les amis, vous connaissez. Ça c'est fait, c'était juste pour avoir de nouvelles attaques, très bien. Donc on peut aller où maintenant? Ça c'est l'ascenseur, aucun souci, on va pas le réactiver. On a forcément quelque chose ici je suppose. Ouais... On a un miroir, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas mon reflet. Je pense que c'est volontaire de la part des développeurs. Je connais bien, les gars, des petites astuces de développement comme ça. C'est bizarre. Je suis prêt. Je suis prêt. Ah, mais c'est cassé. D'accord. Ok, c'est totalement cassé, je ne peux rien faire. Il n'y a plus rien à faire ici. Très bien. Bon, on a fait tout ce qui était un petit peu secondaire. Il est temps d'avancer et d'aller vers cette lumière. Ok, ça c'est pas mal. On va les rendre un petit peu abrutis. Ça va les rendre fous. Allez. Aïe. C'est compliqué. Ok, on va se débarrasser de lui. Parce que sinon c'est trop. Allez, ça c'est pas mal. La contre-attaque, on est parti. Ok, et maintenant, regardez bien. Ah ouais, c'est stylé. C'est stylé de ouf en vrai. Ça stun carrément l'adversaire. Je vous avoue que je n'étais point prêt à cela. Ok, c'est pas mal ça, la combinaison avec Atreus. Bordel. Ça c'est du spectacle. Oh, c'est normal que je m'emballe. Vous avez vu ce qu'on a fait ou quoi? Non, calme-toi. Dis de ma mère. C'est chiant. Ok, on est parti, on va... Oh, c'est quoi ça? Oh, Atreus revient d'où Jésus. Ok. Oh, Atreus, reviens. C'était un prank. On a un coffre. Alors ça, par contre, si je puis me permettre l'expression, c'est pas anodin. Coffre est scellé. Ok, je vois une rune ici. D'accord, donc ici. Et normalement, ça a passé à travers, je crois. Hein. Regardez. Ah, j'y étais presque, je pense. C'est pas vrai, on peut y arriver. Aïe, 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 juste à côté. Yes, allez, ça c'est fait, une rune de tête. On a une nouvelle rune, mais alors où est peut-être sûrement en dessous, je pense qu'il y en a une en prison derrière. Peut-être au-dessus aussi. Peut-être un petit peu partout quand on y pense. Attendez, je vais pas lâcher le morceau comme ça. Vous me connaissez. On a une rune de fête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait jamais, il faut vraiment tout regarder. Je pense pas que ce soit là. Je pense qu'il y en a une en bas. Il y en a une forcément en bas. Et derrière Atreus, aussi. Ici. Oui, faire. Ok. Bougez pas, hein. faut observer. Tout n'est qu'observation. Forcément une par ici. Ah, on a quelque chose ici très intéressant. Il y a tellement de choses un peu dissimulées partout. On a quelque chose aussi ici très intéressant. D'accord, bon. On a un problème là. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a forcément quelque chose à ouvrir par ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Par contre, je vois pas de rune, donc je pense pas que... On allait d'ici. Ok. Non, y a rien à faire, c'est trop loin. Je pense vraiment que c'est trop loin du coffre. On en a trouvé juste une, ça c'est un peu terrible. Peut-être en descendant, je sais pas.
à voir. On va descendre, écoutez. On va descendre et on verra ce que ça donne. Ah! Hop. Très bien. Très bien. Je vois. Malin. Très malin. Ok, ça c'est fait. Oh là là, la troisième est là. Ça c'est beau. Bon, on a les sauts impeccables. J'ai cru que j'allais galérer bien plus longtemps, mais pas du tout. Ça va, franchement, on l'a géré, les gars. On l'a géré. Par déduction, on a réussi à très vite voir que ça se passait à la suite du game. Nouvelle pomme de trouver. Ça, c'est cool. Très bien. Ok, on va pouvoir y aller. On va pouvoir continuer cette fois-ci. Atreus, ne bouge pas. Par contre, comment on peut avoir ce coffre là-haut? Ça, c'est une toute autre question qu'on se posera sûrement plus tard. Vas-y, Atreus. Ah, d'accord, très bien. Okay. Tu crois que ce couloir latéral mène au temple? On va bientôt le savoir. Ok, donc je suppose que, selon toutes... Voilà, regardez. J'avais galéré, je vous avoue, pour prendre la rune, c'était un petit peu terrible. Mais c'est pas mal, au moins c'est fait. On a trouvé quelque chose. Peut-être une rune d'attaque, je ne sais pas. Pas du tout. Par contre, ça peut être cool. Ça peut être cool, Ah oui, oui, c'est même très très cool. Plus 12 en rune. Plus 6 en défense et seulement moins 5 en récupération. Ça, j'achète. Ça, c'est assez ouf. Clairement, les avant-bras, worse. On y va, on redescend. Vas-y, Atreus. Atreus, redescend. Fais-toi plaisir. Bah, c'est des petits allers-retours, mais c'est ça. Mais c'est vrai que tu te rends compte que le jeu... Ah, j'ai réussi à foirer ça. Le jeu est quand même, on va pas se mentir, fondant croquant. Chaque centimètre de terrain est optimisé de manière à ce qu'il y ait quelque chose dedans ou derrière, et ça c'est assez incroyable. T'avais tort tout à l'heure. Ah oui? Je reconnaîtrais la voix de maman entre mille, c'était elle. Elle nous a quittés, Atreus, inutile d'en parler. D'accord. Kratos, je pense sur le coup que tu devrais écouter ton fils. Ok. Calmez-vous. Ok, là-dedans aussi. Très bien, ça c'est pour repartir. Donc c'est par ici. Allez! On en a deux. C'est pas mal, on va se faire. Aucun souci. Là c'est un miroir. Ah, des fois Kratos il en fait qu'à sa tête. Oh, c'est son problème, hein, les mecs. Peut-on vraiment lui en vouloir? Après tout ce qu'il a vécu, après tout ce qu'il a fait. C'est par ici! Vas-y, viens, Atreus. J'espère qu'on va avoir un petit. Oh! Oh bah! Hé! Atreus! Aïe! Oh! Ça c'est terminé! Ok! Oh là là, ils sont nombreux, ça risque d'être assez terrible. Allez, c'est le mode rage des 4 réussis moins. Regardez, ma jauge ne se vide pas. Et ça c'est plutôt cool. Oh, c'est tellement stylé. Oh, c'est tellement stylé! Putain! Rendez mon fils! Atreus Maximus Decimus Nimbus, né d'un père assassiné! Et d'un père demi-dieu, né de plusieurs pères d'ailleurs! Suite à un gangbang dans le 9-2! Voilà! Ça, ça fait plaisir à la famille. Ok, maintenant je fais quoi? Oh oui, d'accord! Oh, oh. Ok, on est parti au bombarde! Je vous avoue que j'étais pas prêt à ce petit QTE. Mais à tout moment, il peut éclater son gamin. Allez, on est reparti. On y va. On va leur mettre ce qu'il mérite. Ok, donc là, c'est lui qui a brisé ma garde. Je ne peux rien faire sur le coup. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pendant qu'il était mid HP, vaut mieux faire les R3 quand c'est mid HP. Après, ça vaut pas trop le coup. Sauf si tu veux empêcher un enchaînement sur toi, évidemment. Donc là, c'est lui. Hein. Il a brisé ma garde, il s'est brisé la sienne. Ça fait mal. Allez, ça, c'est terminé. Merci. Je suis ton père, hein. Pas obligé de me remercier à chaque fois. Ok, on a de l'XP. Il nous conseille de... Merci, dommage que la corde d'arc de la sorcière ne fonctionne plus.
On avait une issue derrière, il faudra revenir une fois qu'on aura l'arc, hein, vous l'aurez compris. On a un coffre totalement emprisonné par des lianes, on ne peut rien faire. On a quelque chose ici, mais je doute... Ah si, ça s'ouvre totalement. Et c'est même par ici qu'il faut aller. C'est même totalement par ici qu'il faut aller, donc on va reculer parce qu'on avait aussi un long couloir sur la gauche. Je sais pas du tout. Les amis, il y a tellement d'alternatives que... Ouais, je pense que c'était à gauche, très clairement. On va aller au bout du couloir. Ah, non, d'accord, on peut pas... Hop, on essaye pour le spectacle et la beauté du geste. Oh, doux Jésus! Eh bien, voilà! Ah, d'accord. Ok. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Donc, c'est relié à deux endroits. Et ça, au cas où... C'est totalement relié à deux endroits. Et ça, c'est étrange. D'accord. Mais alors, à quel endroit ça peut être relié aussi? C'est très intéressant. Parce que je vois pas d'autres racines. Des racines et des ailes. Ah! On a quelque chose par ici. On avait une lumière bleue. Ça, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Damn! Alors, il y en a un ici. Ok, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Normalement, ça posera pas de soucis. Et on se met ici, bougez pas. Ah! Tellement dommage. Allez, ça marche comme ça. Et ça, c'est bon. Ça a fonctionné, on a un nouveau coffre peut-être. Je pense même une nouvelle rune qui va nous offrir une nouvelle attaque. Il y en a vraiment beaucoup. Et on est qu'au premier royaume. Je sais pas si on va faire les 8 dans ce jeu. Mais en tout cas, assez insane tout ce qu'il y a à faire. Acier doux. Non, d'accord. C'est juste du loot. De quoi pouvoir construire du nouveau matos plus tard. Très bien, on peut continuer. Bon, le kidnapping d'Atreus, c'était très rapide en soi. Hein. Un mode rage, on n'en parle plus. Mais vous vous doutez bien qu'ils vont revenir. Dis, tu crois que la sorcière va bien? Je m'en voudrais de savoir qu'elle est morte en essayant de nous aider. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui. Oh là, mais ce Kratos, ce Kratos! Ok. Très bien. On a de nouvelles... De nouvelles plantes. Ok, on va descendre calmement. Encore cette chose. Juste ici, aucun souci. Si on en coupe suffisamment, le pont en dessous de nous devrait réapparaître. D'accord. Ça ne va pas être si simple. Ah, on est juste en dessous du pont. Très intelligent, très intelligent. Parce que c'est vrai que dans les jeux, d'habitude, tu fais des choses. Tu sais pas spécialement pourquoi tu les fais. Et là, en termes de level design, c'est vraiment bien étudié. Oh, ça, qu'est-ce qu'on fait? Ah, juste à escalader. C'est vraiment bien étudié parce qu'en fait, tout mène à quelque chose. Et tu comprends très rapidement. Alors que des fois, dans un jeu, ils vont te poser et te bloquer le chemin. Et l'idée, c'est juste de partir, en fait. C'est juste de partir. Ok, ça aurait pu être très beau ce que je fais, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ok, ça, c'est pas mal. Il est où, l'autre monsieur? Ah. Attends, attends, parce qu'il y a un mec qui est pas gentil. Allez, ça, ça dégage. Ok. Ça, c'est pas mal. Malheureusement, il était en l'air, j'ai pas pu le geler. Lui, il est chiant. Lui, c'est le mec en soirée, il est très très loin. Attends, parce que moi, je le suis, t'inquiète. Allez, ça dégage. Ça, on casse direct. Ah, on peut pas, malheureusement, on est en combat. Aïe, ça explose. Fais gaffe, Atreus, Navus. Ok, ça... Quoi? Quelle est cette sombrerie? Ah! Waouh! Il est en train de m'arracher! Ok, ça c'est nouveau, ça vient de sortir ce coup. Oh, mais c'est incroyable! Ah, merci Atreus! Là, je vois pas, là, je vois pas.
s'en servir contre lui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, je perds pas de vie, ça va. Attendez, je pense que... Ok. Peur de Jésus! Oh non! Je vais rester à terre, j'ai pas envie d'utiliser ma pierre tout de suite. Ok, ça c'est bien dommage. Ah non, pourquoi tu viens me soigner? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Il va falloir trouver son point faible, ça risque d'être chiant. Il a l'air un petit peu plus complexe que les autres. C'est pas grave, ça. Hop, on va le terminer rapidement. Ok, mâche, s'il vous plaît, mâche, voilà. Allez, ça, c'est fait. Peut-être le mode rage, hein. Mais c'est vrai que le mode rage, on peut pas l'utiliser pour tout, c'est pas la solution à tout. Mais bon, quand même. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Allez, ça c'est terminé, on va terminer l'autre de derrière. Tu dégages. En plus, ceux-là, c'est des petites fouines. Hein, il est où? Pardon. Il est là. Allez, ça dégage. Bon. Voilà, ça va être un autre problème. Ok. Allez, c'est pas assez, hein. C'est pas assez. Aïe. Ah, il fait mal, hein. Aïe. Arrête. Mais un morceau de quoi, Jésus? Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Bon, tout s'explique. On va se soigner très rapidement. Allez, s'il te plaît. Allez. Ok, on va se soigner, ça va être tendu cette histoire. Aïe! Oh non, pas toi! Ne gèle pas, s'il te plaît. Ok. Aïe, arrête! Oh là là, je vais mourir, les gars. Je vais mourir, ça risque d'être terrible cette histoire. Okay. Aïe! Allez, j'utilise ma pierre, c'est pas grave, ça va se régler. Bon, écoute, Smil, dès que je vois un vendeur, je vais la racheter. Oh, c'est pas vrai. Non, mais alors, il y a un truc, par contre, je ne comprends pas. Allez, c'est terminé. Quoi? Dégage et lâche un like. Et ben voilà. Oh, c'était compliqué, cette histoire. Hein. On a pas mal de trucs, par contre, et ça déchire. Allez, une nouvelle rune et en plus un objet rare réduit de 12% tous les dégâts infligés par les attaques des elfes noirs. Ça c'est pas mal étant donné que justement on est dans l'univers des elfes noirs. Allez, bon, c'est bon, on a un petit moment de tranquillité à nous. Ah c'est terrible, hein. Bon, on a dû utiliser notre pierre mais honnêtement il n'était pas évident avec les deux autres qui sont incrustés. Sans eux j'aurais pu réussir sans la pierre. Eh, hey, en vrai, les gars, une troisième tentative, je vais pas faire l'américain, j'aurais réussi aussi. Mais pas spécialement. Oh non, record, les gars! Eh, c'est sérieux, c'est le boulot, là! Attaque ton moyen de corps à corps, ça peut être intéressant. On va regarder. Augmente le nombre de rotations quand vous maintenez R1. Et ajoute un petit tourbillon. Oh, c'est mignon.
Mais je préfère ça encore. Quoique celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal du tout. Tempête de Jordes. Ouais, on verra. On verra un petit peu plus tard. C'est pas mal. Ok. C'est parti. Tu la gênes d'abord. Pas bête. Oh, ce monstre! Ça a marché, on a fait réapparaître le pont principal. Il faut trouver un moyen de monter. Alors là, je me demande quelle va être l'astuce des développeurs pour ne pas reprendre le même chemin et ne pas lasser le joueur en ayant l'impression de passer au même endroit. Très bien, c'est une bonne astuce. Recréer un autre chemin de lumière et un ascenseur. Ok, eh, je prends, c'est pas mal. Bah par contre, au final, attendez, parce que il y a quand même des issues ici. Il y a quand même des issues et il y a quand même des portes encore verrouillées. Donc je me demande comment on peut les ouvrir. Allez, on y va et on va s'arrêter là, je pense, parce qu'on sera... Très très bien, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit enlèvement d'Atreus, eh, je m'en occupe personnellement, vous inquiétez pas. Regarde, aucun souci. On a réussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao.